Bonsoir à vous. Douangelles et Douangeaux. Bonsoir à vous aussi qui venez d'autres cités, d'autres ports. Bonsoir à vous et soyez rassurés, votre patience sera bientôt récompensée. Nous allons bientôt pouvoir démarrer notre croisière. Je me permets de vous rappeler quand même deux petites consignes de sécurité. La première, sachez que nos appareils de navigation sont particulièrement sensibles aux perturbations qui pourraient émaner de vos appareils de télécommunication mobile. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai de bien vouloir les mettre en silencieux ou en mode avion. Ensuite, concernant la captation d'images ou de vidéos, sachez que si les membres de l'équipage se feront un plaisir de poser pour vous, ce plaisir sera d'autant plus grand si vous avez l'aimabilité de bien vouloir partager ces dites images ou vidéos sur la page du Cosmopolite. Pour ma part, je suis le doux rêveur, et c'est moi qui aurai le privilège d'être votre guide tout au long de cette croisière, afin de découvrir le voyage de l'exploratrice, de l'aventurière, de la pirate cosmique, Sandy Mango. Comme toute bonne histoire de pirate qui se respecte, la nôtre commence dans un port. Et dans ce port, la pirate cosmique explore l'amour et ses mystères sous toutes ses formes, plaisir, divin, familial, amical, l'amour, singulier ou pluriel. Au gré de ses rencontres, notre aventurière partage sa vie, son art, sa cuisine et ses rêves. Et des rêves, elle en a plein la tête, tellement qu'un jour ça ne lui suffit plus de les partager. Il est temps pour elle d'aller les vivre. Nombreux sont ceux qui tentent de la dissuader, mais c'est mal à connaître, car la pirate cosmique a en elle tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Alors, avant de larguer les amarres, elle laisse derrière elle un message à l'attention de tous ceux qui voulaient la dissuader. Et ce message porte le nom de Darling. Speed.
Alors qu'elle se retrouve seule, sur le pont de son bateau, au large, la pirate cosmique va devoir affronter sa première épreuve. Les requins du doute, de l'hésitation, de l'incertitude se jettent contre la coque pour tenter de la faire chavirer. Notre aventurière se pose un tas de questions. A-t-elle bien fait de partir? Devrait-elle faire demi-tour? Quand, venu du ciel, un chant mystérieux résonne jusqu'au plus profond de son cœur, comme en haut de la montagne de son esprit. Un chant qui escalade ses doutes, qui écarte ses certitudes. Un chant qui fait fuir la horde de requins, mais qui laisse notre pirate cosmique à l'île déboussolée. Alors, pour savoir quel chemin emprunter, elle s'en réfère à sa boussole intérieure, qui pointe droit devant elle, vers l'horizon. Une boussole qui porte le nom de Emotions. Thank you.
Notre exploratrice arrive à sa première escale. Une île curieuse qui porte un nom tout aussi curieux. L'État Amour. Athènes, à peine a-t-elle posé un pied au bord, qu'elle ressent comme des papillons dans le ventre. Alors elle multiplie les rencontres, forge de nouvelles amitiés, tisse des liens avec de nouvelles familles de cœur. Au gré de ces rencontres, la pirate cosmique partage sa vie, son art, sa cuisine et... étrange, ça lui semble soudainement bien familier. Parmi ces rencontres, il y en a une qui se démarque un peu des autres, une âme frère. Et à cet âme frère, elle partage ses questionnements sur la liberté, sur ce qui peut permettre de ressentir des états amoureux, sur la relation, sur la lassitude. Au petit matin, elle entend à nouveau l'appel du chant mystérieux. Il est temps pour elle de repartir. Cette fois, personne n'essaie de la retenir, tous ont bien compris que c'était peine perdue. Alors, en guise de revoir, la pirate cosmique trace sur le sable un message qui rappellera la joie des rencontres qu'elle a vécues sur cette île. Et ce message porte le nom de Euphoric Delamia. Thank you.
tour de navigation, la pierre cosmique est témoin d'un spectacle aussi effroyable que fascinant. Là, dans l'eau, un dragon dont le corps serpentin est piégé dans un récif. L'animal mystique semble en détresse, mais entre le récif et l'écrou acéré de la bête, la pirate hésite. Suivre un chemin tout tracé jusqu'à sa prochaine escale, ou suivre le sens de son inspiration, cette même inspiration qui donne sens à sa vie. Son cœur l'emporte finalement sur sa raison et la voilà qui approche. De quelques manœuvres habiles, elle parvient à dégager la queue, puis le corps et enfin la tête du dragon qui disparaît sans même un regard en arrière dans les profondeurs abyssales. Fière de sa bonne action, la pirate se sent soulagée. Mais c'est un soulagement qui n'est que de courte durée. Pendant que son attention était retenue ailleurs, une tempête s'est levée. Les vents font rage et projettent le navire de la pirate contre le récif qui se brise de la poupe à la proue. Quant à la pirate, une dernière pensée traverse son esprit avant de sombrer dans l'inconscience. Une pensée que je vous résumerai en deux mots. Precious life.
Thank you.
Celui-ci
droit devant lui, dans le ciel, et la conduit vers un nuage, tout descend, une échelle de lierre. La pirate cosmique s'y accroche, commence à monter. Le dragon vient à son niveau, plonge, regarde dans le sien. Notre aventurière ressent un sentiment familier, voire fraternel, lorsqu'elle le salue. Elle continue son ascension, le nuage s'épaissit et devient une cascade. Elle traverse la cascade et arrive dans une caverne où elle va pouvoir goûter un repos bien mérité. Alors, elle projette ses souvenirs par la force dans son esprit au mur de la caverne et s'abandonne dans un moment de pure détente qu'elle va nommer Serenity. Thank you.
sa rêverie par le retour du chant mystérieux. Et elle commence à se dire qu'elle aimerait beaucoup savoir d'où il vient. Alors elle fouille la caverne de fond en comble, aperçoit une fissure, s'y engouffre et arrive au pied d'un phare d'où n'émane aucune lumière. Devant le phare, un jardin empli de fleurs stellaires et de parfums cosmiques. Et au milieu de ce jardin, un arbre dont les branches tombantes trônent majestueusement. Au milieu du jardin, au fond de ces branches, des bulles, et dans les bulles, des nébuleuses de couleurs. Éventuellement, le vent détache une bulle qui s'envole et, dès qu'il rencontre le premier nuage, éclate, libérant un chant qui n'a du coup plus rien de mystérieux. Devant ce spectacle onirique, la pirate comprend que le nom de ce jardin est Jardín de los Sueños. Thank you.
pirate cosmique vit son rêve. Là, dans les nuages. Et vous savez ce que pirate cosmique aime faire de ses rêves? Les partager, bien entendu. Alors elle a une idée. Elle s'approche de l'arbre, saisit délicatement des bulles nébuleuses et monte au sommet du phare. Elle le dépose dans la lanterne et la bulle y trouve parfaitement sa place. Mais il manque quelque chose. Un chant. Alors, notre aventurière chante. Et la bulle éclate, libérant jusqu'à l'horizon un halo de lumière tel une invitation. Chaque soir, la pirate recommence. Une bulle posée au haut du phare. Une invitation. Mais, et si personne n'y répondait? Après tout, un dragon. Une île mystérieuse dans les nuages. Est-ce que tout ceci est finalement bien réel? Est-ce que notre exploratrice est toujours inconsciente en train de dériver? Peut-être pire encore. Mais un bruit attire son attention. Comme un bruit de chalumeau. Là, perçant la mer de nuages, le ballon d'une montgolfière plus colorée encore qu'un mandat perce les nuages. Et là, une autre montgolfière, et là encore. C'est tout un équipage merveilleux qui accoste sur l'île. Tous ensemble, ils démontent les montgolfières, récupèrent chaque pièce, et construisent un immense dirigeable qu'ils appelleront le Cosmic Boat. Et à bord de ce Cosmic Boat, notre capitaine et son équipage fabuleux parcourent le monde afin de répondre partout au temps de Colors in the Darkness. Thank you.
drop, flow, let teardrops grow. My spirit to the infinite, handle straight where to go. Home, place where we grow. Don't raise your goal to be caught in the mold. Those forwards surrounding my knees. I help myself transform my feelings. The will to see and be according to what I feel. Create my fantasy and live my destiny to dream. Yeah, I can see myself lost in this room full of thoughts of doom. I can hear some people change the rules, spend like a new room. Feeling the air, sick world is filled, just gonna die to share. Thank you.
It doesn't matter which body it is. The beauty and the beast are all in.
Il y a des choristes ici, hein. On va approcher de la fin. Le prochain morceau s'appelle Singing Snail. C'est un petit escargot qui porte sa maison sur son dos. Si elle n'est pas trop lourde, il n'y a pas de lumbago. Il ne faut pas prendre trop de choses. Et qui va découvrir le monde.
hero, le héros, qui maîtrise au moins trois éléments, l'air, la terre et l'eau, l'eau des émotions, l'air des pensées et l'ancrage à la terre.
Thank you.
mesdames et messieurs. J'ai le regret de vous annoncer que nous approchons de notre toute dernière escale. Les membres de l'équipage, notre capitaine vous les a présentés. Mais il y a également d'autres personnes qui ont permis de contribuer à cette soirée. À la lumière et au son, il y a bien sûr Pascal. Nous a permis de jouer dans cette salle magnifique ce soir, il y a Waiba. Ce sont eux qui vous ont accueillis tout à l'heure, ils sont cachés quelque part dans la salle et vous les retrouverez tout à l'heure à la boutique de souvenirs. Merci pour leur soutien à Laurent et Corentin. Et bien sûr, celles sans qui personne ne serait rassemblé ici ce soir, vous l'avez entendu à la guitare, au handpan, à la flûte traversière et au chant, notre capitaine Sandy Mango. Juste une petite mise en garde. Si d'aventure vous voyez au loin la lumière du phare de la pirate cosmique, ne tardez pas trop à aller à sa rencontre. Car si la pirate cosmique sait toujours ce qu'elle veut change tout le temps. Qui sait quand elle larguera de nouveau les amarres? Qui sait? En attendant, je vous laisse profiter du dernier paysage du Cosmic Boat à travers une composition qui s'intitule Circle.
Devant, s'il vous plaît. Sentiment beau chant, on est.